Eye of the Tiger Management vous invite à son 9e gala de la série Fight Club le vendredi 13 juin au centre Pierre Charbonneau à Montréal, à deux pas du métro Viau. En finale d'une soirée riche en actions, voyez Dirigeant qui affrontera le Mexicain Daniel Ruiz pour la ceinture NABF des poids légers. Pour informations et billets, consultez le www.eottm.com. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca. Ça pleut encore plus le lendemain. Ah ben c'est sûr. Ok, hey, salut tout le monde! Salut les capotés! Oh! Faut que j'arrête l'auto DJ. What's up? Yo. Bon, on a gagné pourtant! Non, laisse-les! C'était Dovies, on l'écoute-tu? Non. Ok. On écoute la toune. Décidérez, oui, on a gagné réalisation de l'année, malgré tout. C'est incroyable. On est, je pense, 15 en studio. Il y a avec nous Marianne. Oui, c'est moi. OK. Evelyne. Bonjour. Evelyne de retour. Ça fait combien de temps que tu n'es pas venue? À Décidérez? Oui. Ça fait au moins 2 ans. Non, mais j'ai revisité les studios de Choc l'année passée, mais ça fait 2 ans au moins, j'imagine. Tu es venue à Choc l'an passé? Qu'est-ce que tu faisais? Ah, j'étais venue voir Valérie Palombo puis Capitaine Pocho Pocho. Ah, ils sont drôles, eux autres. Ben, écoutez pas ça, écoutez Décidérez. Mais... Ouais, ouais. On a aussi Judith qui est de retour. Eh oui. Salut, ça va? Oui, ça va bien, toi. T'étais où? Ouf, un grand voyage. Là. Bon, oui, t'as fait t'es au BC. Oui. C'est cool, ça. Dom Massy. Hey, Dom Massy sur Facebook. Ça va? Ben oui, toi, j'ai pas d'écouteurs, fait que je vais faire avec. Pas d'écouteurs. Donc, ça va bien, tout le monde? Mais t'entends pas ce que je dis. Non, ils marchent pas, les écouteurs. Fuck. Ah. Réalisation de l'année. Non, mais là, c'est pas moi, là. Sont-tu branchés? Oui, ils sont branchés, Jean-François. Ça, c'est pas les tiens. Mais t'entends pas ce que moi, je dis. Non, ben oui, je t'entends un peu, mais c'est comme... non, non, je t'entends. OK, c'est bon. Mais oui, ce ne sera pas la pire conversation que j'ai eue avec toi. Non, ça, je vois. Cette semaine, même. Jean-François Provençal. Comment ça se fait que tu as tout le temps le rhume? parce que je fais trop attention à moi. Là, OK, ça doit être ça. Ouais, je ne mange pas assez d'oignons. Ben oui, je ne mange pas. Ben, j'ai effectivement la grippe un petit peu, désolé. Et Louis T. Allô. Est avec nous. On a plein de questions pour toi. Yes. On se demande notamment, c'est pourquoi le T? Trembler. Bon, déjà la question qui tue. c'est pour trembler, effectivement. C'est pour trembler. Juste parce que c'est parti comme une blague quand j'étais à l'école de l'humour. Il y avait déjà Julien Tremblay, il y avait trop de Tremblay, fait que je me suis mis à m'appeler Louis T, puis ça a resté. Hey, mais c'est une bonne blague, ce Louis. C'est pas une bonne anecdote, mais je suis pas responsable de cette anecdote-là, j'ai pas posé la question. Non, non, mais écoute, parce qu'il y a des centaines de gens là, qui nous l'ont demandé, fait que c'est sûr que sur Google, un temps soit peu... D'accord, on va commencer tout de suite avec un entretien avec toi. Alors, j'avais une nouvelle brève sur... parce que j'ai pas eu le temps de la lire. mais c'est une grosse nouvelle, en tout cas. Devinez quel âge a LOL. L'émission LOL? Non, pas l'émission LOL, malheureusement. Ah, 25 ans. 25 ans, tu le savais? Ben oui, ben moi, je le savais pas. Je l'ai appris là. Mais pourquoi, ouais, mais... tu le savais, toi? Parce que j'ai lu l'article cette semaine. Non, OK. Ah, ben, pourrais-tu me le... Julien fait ses recherches sur BuzzFeed. Peux-tu le résumer à Julien, parce qu'il n'a pas lu l'article? Ouais, pourrais-tu nous le résumer, Louis? Ben, la première personne qui l'a inventé, il y a 25 ans, je pense, c'est un journaliste, je ne sais pas trop quoi, mais dans l'article, ça ne raconte pas tant sa vie, mais c'est sûr que lui, il a dû avoir un bon 15 ans à avoir l'air niaiseux, à être le seul à dire LOL, puis que personne ne comprenne. Mais... Là, maintenant, on a tous l'air les niaiseux collectivement. Comme s'appelait Louis T, puis on ne sait pas pourquoi. C'était-tu pour Lots of Laugh? Oh, oui, c'était pour ça. Ou... Laughing out loud. Moi, je pensais... Là, c'est quoi, là? Moi, je pensais que c'était... Là, on a appris cette semaine aussi que GIF, c'était GIF. Oui, t'avais l'air désemparé sur les réseaux sociaux. Tu sais, comme un point GIF animé, tu peux pas dire un GIF animé, faut que tu dises un GIF animé. Ouais, moi, je dis un GIF, moi. Ouais. Toi, Louis, tu disais quoi? Ça. Mais même si le gars, il sait pas comment dire, prononcer un G, ça change rien, là. C'est GIF qu'on faut dire. Ben non, mais je veux dire, il l'a inventé. Ouais, mais il sait pas écrire. Il avait juste à mettre un J s'il voulait qu'on dise GIF. Et qu'est-ce que GIF, c'est comme l'acronyme de quelque chose? C'est Graphical Interface for quelque chose. Furry. Furry, ouais. Ouais, fait qu'il faudrait qu'il trouve... Interchangeable...
tu sais pas. Là. Non. Graphical Internet Furry. Mais, donc, alors, voilà, vous l'aurez appris ici, LOL a 25 ans. Moi, j'aurais cru, j'aurais même pas donné 10 ans à LOL, très honnêtement. Ben, ça, moi, ça fait à peu près 20 ans que j'utilise LOL, par exemple. Ça fait 20 ans? Pour vrai, sérieusement? J'ai quel âge? J'ai 29. Fait que là, moi, 29. Non, mettons. Je sais pas, LOL à 9 ans. À 11 ans. Dans quelques circonstances? Ouais. Parce que moi, quand j'ai commencé à aller sur Internet, je connaissais pas LOL. Là. C'est non, arrivé plus tard dans ma vie. Je me suis fait introduire par du monde. OK. Ils ont comme écrit ça sur MIRC, puis j'ai fait comme, mais qu'est-ce que tu veux dire? Ah. La communauté du LOL. Uh-huh. La communauté du LOL? Mais pourquoi le ah 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 et puis bon? Moi, je dis ah ah. C'est trop long. Mais c'est un acronyme, ouais. Pourquoi ça? Ah ah ah. Ouais. C'est signe de plaisir et de. Mais le H, le premier H est là pourquoi? H pour humour. Humour. Le deuxième. Amour. Humour, amour, ben, humour, rire, amour. C'est... Quand on rit, on c'est aime. Ça, c'est ça qu'on veut dire par ah ah ah. Humour, amour, humour, amour. Bon, ben, c'est pour ça que je continue à utiliser ça, alors. Alors, voilà, merci beaucoup, Louis T, de m'avoir résumé l'article que je n'avais pas lu. On va... Alors, il est où le thème invité? Hey, on est arrivé ici à 3 minutes avant de commencer, là. Okay. Je sais pas si c'est à cause que j'ai pas de victoire, mais on dirait que l'émission est un long fret. Non, on parle pas, là. C'est... Bon, ben, écoute-moi. Ouais, Dom, faut pas parler pendant le thème. Ah, oui. Pas grave, la prochaine fois. Louis T, alors j'ai ta page Wikipédia devant moi. T'as fini l'école de l'humour en 2007. T'es grand gagnant du festival d'humour Témiscamingue, pardon, en 2011. Puis là, t'es ici parmi nous. Ouais, c'est les trois choses que j'ai fait dans ma vie. C'est pas essentiellement ça, ton parcours. Ouais, et on a des bonnes questions d'auditeurs pour toi. C'est vrai ou... Oui, oui, on a des... Écoute, il y a Alex Smith qui demande « Est-ce que Louis T est en complet même à la radio? » Non. Moi, je me suis posé la question. Je m'en... C'est parce que je m'en... La vérité, c'est que je m'en vais dans un parc après. Fait que je suis habillé pour aller dans le parc. Ah, quel parc tu vas? Parc La Fontaine, je pense. Ah, c'est oui? Louis Parc, ouais. Là. Ouais, c'est mon Louis été. Je suis en mode été. Louis été? Ouais. Oh. Peut-être un personnage. Peut-être juste pour un number, là. Oh, le dame vient de péter le micro. Ah, oh, c'est mon axe. Ensuite de ça, Marie-Soleil demande, c'est quoi la marque de tes complets préférés? C'est une vraie question ou... Oui, c'est une vraie question. Ben, non, mais c'est parce que si c'est une vraie question, je vais y répondre sérieusement, mais ça va être plate. Mais non, ben, je porte... Je veux qu'il y ait quand même un peu d'informations qui sortent. Je porte pas mal toujours la même compagnie qui, qui a l'occasion de me commanditer aussi. Ça s'appelle Tiger of Sweden. Ça, ça va bien avec mon corps difforme. Ils font du beau linge pour les gens difformes. Si toi, t'as un corps difforme, moi, je suis un monstre, là. Je sais pas. Ça, c'est pas le tigre géant, hein? C'est pas le tigre géant. Non, non, c'est pas, la même boutique, mais... On confond boutique de tigre, hein? Elle se demande aussi si tu dors avec ton iPad. Je dors avec mon iPad près de moi. Louis, d'ailleurs, en humour, il fait souvent la même blague. Il met de la pornographie sur son iPad. Il nous le montre en coulisses. Ah, c'est vrai, c'est ça? C'est pas vrai, non. Oh, oui, c'est très vrai. C'est très vrai. Et il y a des humoristes qui nous écoutent en ce moment. Confirmez si ça vous est arrivé, s'il vous plaît. Alors, c'est confirmé si Louis T. regarde la porn sur son iPad. Il y a un recours collectif contre moi. Les humoristes traumatisés. Mais c'est pas l'idéal pour la porn, les iPads, parce que tu le tiennes. mais moi, je donne, hein. Je donne au suivant, je le tiens. Okay. C'est toi, c'est ce que tu veux avec. Moi, je te montre la pornographie. Moi, généralement, je suis seul dans ces moments-là, mais je sais pas. Mais attends, tant mieux. Généralement. Généralement, mais on peut se fondre avec un adulte consentant. Il y a Alexandre Hogan qui demande si tu pouvais être un personnage de Mortal Kombat, lequel serais-tu? Enfin, une bonne question. Raiden. Ça, c'est-tu lui qui se téléporte ou il y a de... Oui. C'est Christopher Lambert, c'est ouais, ça? Oui, c'est ça. C'est Christophe Lambert. Christophe Lambert, OK. Ouais, il a des bons cheveux blonds, puis il y a des éclairs, je pense, hein, lui? Oui. Bon, ben, ça serait lui. Ça serait Raiden, Alexandre, tu l'auras appris ici. J'ai écrit plein de bonnes questions quand je suis sous hier. J'avais écrit « Habites-tu dans une maison en T? » Non. Premièrement, au-delà du jeu de mots, non, parce que c'est une construction neuve, mais peut-être sur un cimetière indien. Ah, pardon, on n'écarte pas la possibilité. Non. Mais Dominique dit que j'habite dans un appart hanté, alors... Pourquoi? Non, toi, ton appart n'est pas hanté, c'est celui de Gervais qui est hanté. Le tien, il est mal propre. Ah, il n'est pas si... On pourrait dire odorant aussi. Tu rentres dans un... Ben là, maintenant, je peux ouvrir la fenêtre, c'est l'été. tu rentres dans un Baskin-Robbins. Mise en petit contexte. Tu fermes tes yeux. Je sais pas c'est quoi.
Ah, c'est un magasin de crème glacée dans lequel il y a beaucoup, beaucoup de saveurs de crème glacée. Ouais, on va la modifier d'abord. Tu rentres dans un Dunkin' Donut. OK. Tu fermes tes yeux. Oui. Tu te diriges vers quelle sorte de beigne? Chocolat glacé, mais avant on appelait chocolat trempé miel. C'est toujours celui-là que j'ai pris. Toujours? Je prends toujours les mêmes affaires partout. Moi aussi, je prends vraiment souvent le chocolat trempé miel, je veux dire. Vous, ici, Evelyne, toi? Moi, c'est les roues de tracteur. Ouais, moi aussi. Ah oui? Ouais. OK, faut qu'on y ait un... Est-ce qu'on peut beaucoup dire sur quelqu'un par rapport au beigne qu'il choisit ou... Je pense pas. OK, je pensais que tu allais faire la lecture de ma personnalité. Non, non. Non? Non, OK. Mais au début, c'était supposé... C'est agricole, nous autres, la roue tracteur. C'était supposé être la crème glacée au début, puis là, je l'aurais faite. J'aurais pris vanille parce que je suis plate, honnêtement. Je suis vraiment plate. Oh, c'est toi qui le dis. Je m'étonne pas des choses que j'aime. Je sais pas si pour vous, vous changez. Subway, je prends le même sous-marin depuis 15 ans. Est-ce que t'aimes encore ton tatou? C'est quoi ton tatou? Normalement, on le voit pas, mais là, j'étais en mode été. Hein. Je m'en vais jouer au parc. Oui, c'est Louis été. Mais tu le regrettes pas. Mon tatouage? Ouais. Oui. OK, d'accord. Fait que tu me déconseilles de me faire tatouer? Tout à fait. Ah ouais? Parce que je trouve pas ça joli, des tatouages. Je suis un peu comme crise de la trentaine, là, tout ça. Puis là, j'ai comme envisagé. On en a parlé. Oui, je sais. Dit, ouais. Mais c'est pas des tatouages de quoi que t'arrêtes, Julien? Mais c'est ça, d'abord, la première question. Je sais pas quoi, puis où. Qu'est-ce que tu me conseilles? Hey, cette main qui rentre dans la grotte. Tu vois, tu vas le regretter vite, celui-là. Tu vas le regretter, genre, au moment où je le dis au tatoueur. Mais après, frais tes moules, parce qu'on a besoin de tes fesses pour le show. Ah oui, spoiler alert. Tu vas le regretter au deuxième nain. Si seulement c'était pas vrai que t'es drôle, à peu près. À grand nom. Jusqu'à l'acide commence à descendre. Une question très importante. Si t'avais à frencher... Excuse-moi. tu trouvais ça bien drôle hier soir sous... si t'avais à frencher un personnage des Simpsons, ce serait lequel? Commande, même sous Julien, là. Oui, ben, ça serait Marge, je suppose, là. Ah, c'est bien, ouais, OK, c'est vrai. Ben là, c'est le seul adulte auquel j'arrive à penser en ce moment. Ouais, réponds pas. Vous êtes un peu jeune. Ouais, exactement. C'est ça, non, ça c'est pas bon. Ben la chanteuse de rock chrétien, t'avais choisi. Ah oui, que Homer, il était son gérant, là. Ouais. Ouais, c'est pas du rock chrétien, elle. Je me suis trompé, c'est mais du country, elle. Pour les cœurs brisés. On voit que t'as déjà réfléchi à la question. Ben oui, on a tout eu une ride de boss plat. Quand Homer, il passe pas genre une aventure, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, c'est avec une collègue de travail. Ah, mais dans le fond, et Mindy, il est juste souvent, là dans un épisode. Souvent, il a manqué d'avoir des aventures. Je crois que des belles femmes, en plus. Ouais, ben c'est... C'est plate, les Simpsons. Mais pas Marge quand elle est musclée. J'ai ça. Marge quand elle est musclée. Là, je l'aurais pas franchi. Ouais, dans tu sais qu'elle elle se met à avoir peur, fait qu'elle s'entraîne, puis elle devient vraiment trop musclée. Mais c'est comme genre saison 14, là, tu sais. Celle-là qu'on oublie. C'est celle-là, c'est ça, dans le bus, que Homer, il fait un panda, puis il se fait violer en panda, là. Vous vous rappelez pas de ça? Non. Faudrait que tu fasses une émission de télé pour que les gens voient nos visages des fois quand tu dis des trucs, hein? Ben, je pense qu'il y a une caméra qui s'en vient dans le... Oui, oui, ça va être... C'est sûr qu'ils ont mis un drapeau choc dans le coin de la pièce. Tu participes à l'émission Entrée principale à Radio-Canada. Est-ce que ça revient l'an prochain? Oui, en septembre. Donc, vous avez été quand même épargné dans les coupures. Oui, on fait partie des chanceux qui restent à la télé. Question plus sérieuse. En fait, réponse sérieuse, ils veulent privilégier le prime time, en fait. Donc, c'est plus le jour qui a été coupé. Puis nous, à partir de 4 heures, on est quand même considéré encore le début du prime time. Qu'est-ce qui va jouer le matin à Radio-Canada, des bonhommes? Des c'est reprises. Une bonne question. Ouais, je crois que ça va être... Des reprises d'entrée principale, possiblement. Ouais, peut-être. Non, je doute de ça, mais je sais pas honnêtement qu'est-ce qui va jouer dans le jour. Est-ce que ça a été comme une source de stress pour toi? Est-ce que non. Non? OK. Non, mais nous, on a été reconfirmés assez tôt. OK. Fait que avant qu'ils annoncent les coupures, on savait qu'on revenait déjà. Est-ce que t'as des amis qui ont perdu leur emploi à cause de ça? Mais j'ai pas d'amis. Ah, mais voilà. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Mais c'est pas tes amis. Non. Ça ne touche pas directement, disons. Comment tu vis ça, les gars, les baisses, justement, les coupures budgétaires à Radio-Canada? Parce que c'est rendu qu'on a la télé d'État la moins financée au monde ou quelque chose comme ça. On paye 12 cents par année, puis ça baisse encore et encore. C'est vraiment un sujet qui est complexe. Honnêtement, à l'intérieur de la boîte, c'est assez sinistre ces temps-ci. Les gens sont pas très heureux parce qu'il y a toujours le couperet qui menace tout le monde, mais... Mais moi, j'arrive, la première fois de ma vie, je commence là, fait que c'est des belles conditions quand même. Même si tout le monde nous parle de comment c'était mieux dans les années 70, 80, 90, moi, en ce moment, je trouve que c'est gros, Radio-Can. On pouvait fumer les archives dans ce temps-là! C'est un bon personnage. Ouais! Le vieux gars de Radio-Canada! Ouais, le vieux pékiste. Concierge, finissait réalisateur.
Pensant à Jean-Claude Lard. Jean-Claude Lard était concierge? Non, mais au début, les gens qui ont créé la télé, ils n'avaient pas suivi de cours nécessairement là-dedans. Ils l'ont créé dans les années 60 et tout. Mais tu sais que moi, je suis un pigiste, ça fait que je n'ai pas nécessairement une affiliation avec Radio-Can. Je peux partir l'année prochaine puis travailler ailleurs. Avoir ton propre talk BBC, show. Ton talk show à la BBC. Exactement. Au Canal Famille, on ne sait pas. Mathieu Charron se demande si tu poserais nu avec d'autres humoristes dans le summum. Peut-être pas dans le summum, mais poser nu, ça me dérangerait pas. Tu le ferais? Ben oui. On verrait ton tatou. Ouais. Là, les gens doivent se demander, il est vraiment où, mon tatou? Il se déplace depuis le début de l'émission. Ben, c'est correct, c'est là, ça ajoute au mystère. Et en terminant, Jean-François avait une question pour toi. Non. Parfait. Alors, oui, ma réponse. Oui, voilà. Tes petits projets, c'est que tu fais aux Zoufest cette année. Tu as aux Zoufest encore cette année? Non, rien du tout. Pour vrai? Oui. Regarde, je savais pas, en fait. J'ai essayé de chercher hier, j'ai pas trouvé. Ben, c'est pour c'est pour ça. T'avais un show l'an passé avec Kim Lizotte. Ben, moi, au Festival des films du monde, qu'est-ce que je fais aussi? Qu'est-ce que tu fais au Festival des films du monde cette année? Rien cette année aussi. Ben là, où c'est qu'on trouve l'humilité? Comme Jean-Claude Lard. Jean-Claude Lard soit le running gag de la semaine. Moi, je suis un peu en congé, moi, cet été. Là, vous m'avez sorti de mes vacances. C'est très généreux de ta part d'être venu, quand même. Merci. Fait que, mais donc, cet été, il n'y a rien. Non, je fais un parc Laurier. Juste pour rire, je vais faire des spectacles par-ci par-là de mon côté, là, mais pas dans le cadre de Zoufès. OK, d'accord. Tu sais, la vie ne tourne pas autour de Zoufès. Ben, ça dépend pour qui. Tu vas venir au Charlot quand même? Oui, je vais venir au Charlot. Je vais sûrement essayer de faire au moins un spectacle pour avoir une passe gratuite et pour la poinçonner. C'est une bonne stratégie, j'avoue. Ça vaut quand même comme 40$ une passe. Exactement. Un caméo dans Frites et Moules? Oui, voilà, peut-être nu. Non, juste ton tatou. Pardon? Ben, j'ai la grippe. Hey, moi, d'être un auditeur, je serais vraiment inquiet pour toi en ce moment. Hein. Ce gars-là, je serais comme mon Dieu. Désolé. Non, mais crache du sang, c'est ça. Je vais cracher pas. Crache pas du sang. Ma mère écoute l'émission, je crache. Mais cracher, c'est vivre un peu. Oui, non. J'ai la grippe, ça arrive. Fait que voilà. Tu l'as une semaine sur deux. Oui, ça arrive pour certains plus souvent que d'autres, mais ça arrive. Hey. Ben, merci beaucoup, Louis T, de t'être prêté. Commentaire, moi. Vas-y, vas-y. Beau Louis. Vas-y. Ouais, Louis, t'es en bâtiment. On fait beaucoup de spectacles en humour avec Louis. Puis, tu sais, on s'écarte tout le temps pas sur le net. Ben, on en fait. Les pas payants, on les fait ensemble. Puis, tu sais, on s'écarte souvent sur le net. Mais, tu sais, c'est de bonne gare tout le temps parce qu'on s'aime bien. Mais, souvent, puis Maxime, puis moi, on se dit ça. C'était le gars le plus drôle, je pense, qu'on connaît. Quand t'es à une place, et même si le show est à chier, c'est le fun que ta présence est sur le show parce que c'est le gars le plus cave puis le plus drôle que je connais. Puis, aussi sur scène, t'es un des meilleurs humoristes que j'ai vu. C'est, Fait que sur scène, je suis correct, genre, mais non, t'es la scène, c'est drôle dans ta barouette. Non, mais t'es extrêmement drôle sur scène, mais puis t'es extrêmement drôle dans la vraie vie aussi. Puis c'est pas donné à tous les humoristes, puis c'est toujours un plaisir de te voir, puis merci pour ça. Genre, Maxime Martin, lui, est-ce qu'on l'a eu? Non. On n'a pas un humoriste qu'on aime pas. Moi, je connais pas les humoristes, puis je m'en tabarnak. Les humoristes te connaissent pas non plus. C'est ça, ils s'en tabarnak aussi. Moi, personne me connaît. Oh, je t'avais oublié. Je fais mon émission. Je fais mon émission de radio chaque semaine, dans le petit local. Tous un peu, Julien. Tous un peu. Toujours un peu lendemain de bras. Merci beaucoup, Louis T, de t'être prêté à l'expérience des si et des rais. Est-ce que tu le recommanderais à Jean-Claude Lard, supposons? Il est-tu encore en vie? Il a fait un documentaire l'année passée sur la prostitution, puis paraît que c'est un petit peu gênant. C'est vrai que c'est très mauvais. Un vieux cochon qui se... Bon, ben, il est parfait pour ici. Ben, sinon, il a réalisé, je crois, en fait, les 5 derniers épisodes des Jeunes Loups. Ah oui, c'est vrai? Ou... Ouais, c'est. Ça serait conséquent, ouais. Quelqu'un s'est rendu jusque-là? Moi, je les ai tout écoutés. C'est ça. C'est Éric Canuel qui a réalisé les 5 premiers. Il a dépassé le budget. Fait que là, lui, fallait, après ça, Jean-Claude Lard, fallait qu'il réalise les 5 derniers avec moins de budget encore que le budget normal. Fait que ça a été toute une histoire avec en plus les chicanes entre Jean Tremblay puis sa fille, tout ça. Ah, puis ça se voyait aussi. Je le savais pas, moi, qu'il y avait eu une baisse de budget, puis ça se voyait en y pensant bien. Ben, les textes, ça coûtait rien. C'était pas les mêmes acteurs. Mais si c'était beaucoup sur la lesbienne cochonne avait beaucoup plus de temps d'antenne tout à coup quand c'est Jean-Claude Lard qui réalisait. Ah, il y a un personnage de lesbienne cochonne. C'est même qu'ils ont pitché le show. C'est une lesbienne cochonne qui traîne un journal. OK, alors, on va continuer avec, je sais pas qui, là, Dom. Bon, ça? Ben, moi, je suis souvent à l'émission. Prends donc du monde qui vient pas souvent à l'émission. Oh, puis, si on a du temps, je le ferai à la fin. Continue avec Judith d'abord. T'es prête, Judith? Ben, je t'avais dit pas en premier, mais ça va. Ça fait 20 minutes. Vous voulez tout pas passer en premier. Ben, là, vous voulez tout pas passer. Si vous voulez pas passer en premier, je peux le faire. Hey, Simonac, on a la fin devant Louis. Ok, regarde, je vais le faire. Ça va pas être long, moi, ça va être 3 minutes. Ok, t'as peu. Faut que je trouve ton thème, là. Ok, voilà.
Dum 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 dum. C'est le roi du fantastique, des créatures maléfiques, de tous les êtres magiques. Il va nous faire une tonique. Yeah, yeah. Ils sont bons, vos jingles. Oui, oui, ça, ça c'est bon. C'est vraiment ça, c'est Mathieu Niquette qui les a faites, qui l'a fait. Ben, celui-là, ouais. Aussi. Okay. Ouais, ouais. Non, non, on aime nos jingles. Ça, il y a ça qui compte. Rien passer plus. Ça va être un show de jingles, essentiellement, puis toujours les mêmes. Oui, non, c'est vrai, je suis d'accord. Vas-y, mon dame. OK, go. Gang, cette semaine, c'est une chronique paranormale. Yes, vous avez longtemps. Passé un an que j'en avais pas fait et il y avait une raison pour ça, parce que je suis parti en un grand voyage. j'ai voyagé à travers tout le monde pour voir, pour étudier un phénomène paranormal. Louis, j'espère que tu me suis. Il y a un phénomène paranormal qu'on est confronté à chaque jour, chaque heure, chaque minute dans la vie. Et bon, j'ai été en Europe, j'ai été en Asie, en Floride, pour constater que c'était comme ça un peu partout. Et le phénomène paranormal que je vais vous parler aujourd'hui, que j'ai étudié, c'est, on l'a nommé la gravité. OK? La gravité, c'est une force. Personne ne sait c'est quoi, hein? Hein? Personne ne sait c'est quoi. De quoi? La gravité. On ne sait pas d'où ça vient. Mais moi, j'ai découvert que c'est une force très concentrée d'un esprit maléfique qui, lui, dans le fond, il veut juste que tu t'échappes tes scènes puis ça réchisse ton dos. Fait que j'aimerais ça, je sais pas si on est capable, j'aimerais qu'on rentre en contact avec la gravité, ou un matin, ensemble, avec l'émission. Louis, regarde-moi pas de main. Bon. Alors, Julien, je sais pas si tu pourrais partir la musique. Oh, oui. Yes, un jingle. Et là, j'aimerais ça que tout le monde, on se tienne la main. Allez, tout le monde se tient la main, on ferme les yeux. C'est gênant, il y a des gens qui ne se sont jamais tenus la main là-dedans. Là. Bon, allez, Louis, il faut se tenir la main. Je tiens vos mains, oui. Est-ce que la musique est partie? Oui, elle est partie, Dominique. OK. Je m'adresse au Seigneur de la gravité. Gravité, si t'es là, fais-moi signe. Sois pas timide. Es-tu là, gravité? On attend un petit signe de ta part. Je tiens à dire que Dom réussit à faire ça sans note, hein? Il n'y a pas de papier, rien. Non, là. Il n'y a pas son texte. Non. Oui. Bon, ça marche pas. Ben, c'est la musique. Et c'était ma chronique paranormale. Ben, je pense à l'air que s'il y en a un qui croit pas à la gravité, elle vient pas, hein? Ça doit être moi. Ah, bon, c'est ça. Ben voilà, merci beaucoup, Louis. On n'est toujours pas en apesanteur. Non. Non. Ben, non, mais c'est ça, pour contrer la gravité, tu peux voler ou tu peux tomber dans un trou sans fin. C'est une bonne manière de dire fuck you à la gravité. Comme dans l'épisode des Simpsons, où est-ce qu'il y a une équipe de baseball? Ouais, non, c'est spécial Simpsons et Jean Courblanc. Oui, bon. Ben, merci beaucoup, Dominique. C'était rien. Ça, c'était ta chronique. Ben oui, c'était ma chronique. OK, parfait. On va continuer. J'ai découvert ça hier, un band français qui reprend les tunes de Renaud Punk. Je trouve ça pas pire. Alors, écoutez ça à Décideret. Bonjour, ici Jean Lapierre. Je sais pas ce qui se passe de sensé, mais tout le monde au Parlement écoute des si et des raies. Je sais pas ce que M. Harper en pense, mais ça va jaser au caucus. Sans bonbons sur les rangs des bureaucrates et des marchands. Étudiants, parlement, je suis pas trop.
conditions que dans un régiment de para, ça veut tout dire et du con. Demain c'est toi qui lèveras dans ta robe ensanglantée pour faire appliquer des lois que jamais on n'a votées. Ouais, c'est bon, ouais. Ouais. Les tunes qu'on joue sont bonnes. Salut, c'est Jules Dussap, pis qu'est-ce que c'est que vous pensez qui écoute la Décidérée? Ben, moi. Hey, Décidérée, sur les ondes de choc. Point lol. On a un appel. Décidérée? Hello, guys, it's the Destroyer. Ah là là, oui, ça va? Yeah, I'm not very well right now. We had an accident with the Master Scream. Oui. We were driving away from an angry customer and we tried to avoid the dog on the street and we hit a wall, so we blew the master screen. We blew it all. It splattered everywhere on everyone and we are cleaning up the mess right now. And there are children licking the master screen directly from the master and he is really uncomfortable with that. Ben, il est pas le seul. Yeah, it is a disaster. So we wanted to tell you that the master scream is gone. En tout cas, Louis T a l'air très déconcerté de ce qui se passe présentement. Okay, explain it. I will not explain it to him. Non, okay. C'est parce que je suis pas bilingue, hein, moi. Ouais, c'est ça. Oh, okay. So bye, guys. Have a nice show and bye, Louis T. Merci beaucoup. Bye, le Destroyer. C'était le Destroyer qui. C'est comme notre sitcom à nous, Louis T. Il y a quelqu'un qui nous appelle chaque semaine. Qui... fait que voilà. Donc on va continuer avec Judith. T'es prête? Oui, je suis prête. Judith, vous dites, il dit. Je suis très contente que t'aies pas oublié mon thème, Julien. Ben non, ça ben. Ça fait chaud au cœur. Bon, ben moi aujourd'hui, je voulais vous raconter l'histoire de Silk Road. Je sais pas si vous savez un petit peu ce que c'est. Non, en fait, pas du tout, OK, ouais. Parce que j'avais testé en fait sur Nicolas et Marianne, puis Nicolas savait à peu près 98,9% de l'histoire, puis Dominique à peu près 2%, fait que ouais, je me suis dit, ben la moyenne. Ça devrait aller. Mais Nicolas, il a le savoir absolu. Oui, puis surtout dans ce domaine-là, tu vas voir. Oui, alors, en plus. Ben, en fait, Silk Road, ça fait partie du Deep Web. Donc, le Deep Web, c'est un peu la partie cachée de l'Internet, qui est beaucoup plus anonyme. On peut pas y accéder par les moteurs de recherche réguliers. Genre vraiment... choc. Même si tu Google Shock, tu le trouves pas. Louis, veux-tu nous parler de qu'est-ce qui est écrit sur ton tatou? Non, laisse faire sa chronique. Donc, c'est ça. Des fois, il faut y aller avec des moteurs de recherche spéciaux, comme Tor. Puis en fait, ce qui est intéressant avec le Deep Web, c'est que c'est un univers où ça prend des talents de programmation. Donc, c'est vraiment contrôlé par des gros nerds de la programmation. La porn doit être assez hallucinante là-dessus. C'est surtout de la pédo. Ah, oups. Oups. Mais ça sur un iPad. Ouais, dans le tout catch up predator, on vient de. Ouais, c'est ça, là. C'est là qu'ils se tairent. Ben, en fait, c'est ça. Donc, c'est sûr que dans cet univers-là, quand, en fait, on établit des choses comme un réseau d'échange de drogue, un peu comme Silk Road, ce qui est le fun, c'est qu'on se ramasse avec des kingpins qui ont un petit peu la gueule de Dr. Doogie. Ben, en fait, donc, Silk Road, c'était le réseau d'échange de drogue le plus connu du Deep Web. Ça a vu le jour en février 2011.
Puis en fait, ça a été fermé le 2 octobre 2013. Donc, sur Silk Road, on trouvait de la drogue, donc les choses auxquelles on s'attend, là, de la coke, de l'héroïne, du pot. Mais pas, en fait, seulement ce qu'on trouve au parc Émilie-Gamelin. Là, il y avait des choses fancy, comme de l'opium récolté directement dans les champs de la pharmaceutique Bayer, du hashish du Maroc, des feuilles de buvard complètes avec la face de Yoda imprimée dessus. Ah, la drogue bio, un peu, dans le fond. C'est le marché... Ouais, wow. La drogue de fin connaisseur. Donc, la drogue était envoyée sous vide aux utilisateurs par la poste. Ils payaient en bitcoin. Nicolas, c'était là, nous dirait, c'est une monnaie très volatile, le bitcoin. Non, il y aurait beaucoup à dire. Ouais. vous pouviez aussi acheter des faux papiers, des armes à feu, des opérations de blanchiment d'argent. Puis, vous aviez la possibilité de commissionner des tueurs à gages. Donc, toutes des choses sympathiques. Ben, là, puis moi qui pensais à la porn. Ouais. Le docteur Dougie de Silk Road, en fait, c'est un gars qui s'appelle Ross William Ulbrich. Il opérait Silk Road sous le pseudonyme de Dread Pirate Roberts, qui est le nom d'un personnage dans Princess Bride. okay. Il avait... Oui. Ben, attends, tu vas comprendre. Il avait 29 ans, il habitait à San Francisco, puis il avait une vie de gars de 29 ans assez ordinaire. Donc, il partageait un appartement, somme toute, assez modeste avec deux autres colocataires par lesquels il se faisait appeler Josh. Hein, dans toute normalité. Puis, il était souvent assis au café du coin en pantalon de pyjama pour se servir du Wi-Fi. La seule différence, c'est qu'à partir de ce Wi-Fi-là, en fait, il se servait de ça pour opérer son empire de la drogue de 1,2 milliard de dollars. Il s'est mis riche avec ça? Ou... Très riche. Ah, ouais. 1,2 milliard, c'est riche. Ouais. 1,2 milliard, ouais, mais c'est... en fait, il n'a pas fait 1,2 milliard. 1,2 milliard, c'est l'argent qui a été fait sur Silk Road pendant les deux années où ça a opéré. Lui, il s'en est tiré avec 80 millions en cote quand même. Il peut s'acheter une piscine. Au moins. Je ne vois pas le jour où je vais pouvoir m'acheter une piscine. Avec une glissade, oui. Ah oui, oui! Elle t'exagère. Ulbrich a été décrit un peu comme un jeune Walter White. Donc, il était très intelligent et innovateur. Charismatique. Il a eu son premier diplôme à l'Université du Texas. C'était un baccalauréat en physique. Ensuite, il a eu une maîtrise en ingénierie chimique de Penn State University. Donc, il a eu ça avec honneur. Puis, les gens parlent de lui comme un étudiant brillant et idéaliste. Comme dans toute histoire du genre, il y a évidemment un point où, tu sais, ça va bien au début, puis là, on dit quelle bonne idée, puis là, il fait de l'argent. Je dis pas ça, moi, là, mais ça m'apparaît pas une si bonne idée, mais... en fait, il y a un point dans l'histoire où est-ce que, tu sais, ça fonctionne trop bien, puis là, le gars, il se met à être arrogant, puis okay. Ça va mener à sa propre perte. Un classique. Parce qu'il doit être un peu sociopathe, là, il doit avoir quelque chose, cet homme-là. Si on veut faire un film avec lui, il va falloir que ça dérape un moment donné. Bien, apparemment que c'était vraiment un étudiant modèle au départ. Sa mère n'avait que des bons mots sur lui, mais ça, bon, mais c'est un peu de côté de monde, mais... toujours, hein. Ouais. Mais apparemment que c'était un gars sympathique, idéaliste, puis il avait des idées politiques, puis c'était un gars polyvalent, il connaissait beaucoup de choses. C'est juste que ça a un peu dérapé à un moment donné, là. ça a chiré. Un petit peu. Là, ça a dérapé un peu. Sur son profil LinkedIn, juste avant son arrestation, on pouvait lire que ses essais afin d'étendre les frontières du savoir humain étaient terminés, puis que ses intérêts avaient maintenant changé. Ça peut t'éclairer un peu, là. On parle toujours de porn, là, hein? De porn pour d'enfants, là. Ses intérêts ont changé. Non, lui, c'était son site de vente de drogue. Ouais, mais qu'il y a de la drogue, des armes. Non, ça, c'est le deep web en général. Ah, OK. Lui, c'est que notre site Internet, il est sur Twitter. Non, je pensais que ce réseau d'échange-là, c'était pas juste la drogue, c'était tout ce que tu décrivais tantôt, les armes. Non, c'est sur le deep web. Ah, OK. Ce que tu peux aller chercher en fouillant le deep web. C'est moins pire, c'est juste la drogue. Bon, il me semblait aussi, je trouvais que tu étais un peu déraisonnable ouais, avec c'est moins lui, mais ouais. c'est la drogue, des armes à feu, c'est pas toi qui veux tuer la personne, ça te dérange pas, mais quand c'est ta tête qui est mise à prix sur le deep web, là. fait qu'au cours des derniers mois, où est-ce qu'il opérait Silk Road, Ulbrich s'est mis à être de plus en plus actif sur les réseaux sociaux avec son identité de Dread Pirate Roberts, puis il défiait carrément... les autorités sur les réseaux sociaux. Donc, il a tweeté, par exemple, « Vous pouvez avoir des drogues illégales livrées à la maison. Les policiers sont incompétents. » Il a accordé une entrevue à Forbes Magazine où est-ce qu'il a affirmé qu'il ne vendrait pas son site pour un prix qui ferait moins de 10 ou 11 chiffres, puis que bientôt, Forbes n'aurait pas le choix de le mettre sur la liste officielle des gens les plus riches. Alors, 11 chiffres, on est rendu où, là?
Je l'ai écrit même hier pour vérifier. Ouais. Ça serait. Vite de même, là. On est rendu en milliards. Ouais. En milliards. En milliards, bon, c'est ouais. Soit milliard, c'est pas un, okay. Ben, entre 1 milliard et dans les deux chiffres de milliards, là. Oui. 2 milliards. 2 milliards de dollars. Il offrait 13 chiffres de milliards, ça marchait plus. Ouais, 13 chiffres, c'est correct. Ça irait, 13 chiffres de milliards. Ouais, ouais. Juste en zudo. Mais il faut juste pas que tu ailles en bas de 10. C'est juste drôle si quelqu'un y arrive et il propose justement un montant de 10 chiffres, puis attends, il faut que je l'écrive pour voir c'est combien. Ben, il compte les chiffres. Ah non! C'est trompé d'un chiffre. Puis ben, dans un même élan, donc un coup de partie, le BRICS s'est mis à considérer le meurtre comme étant une solution adéquate pour régler les problèmes qu'il rencontrait dans ses relations d'affaires. Comme Walter White. Comme Walter White, exactement. Donc, en embarquant un peu là-dedans, par inadvertance, il a contacté un policier qui était un agent d'infiltration qui posait comme un vendeur de drogue, puis il lui a demandé d'assassiner un usager qui avait volé des bitcoins au site. Donc, les policiers ont fait des fausses photos de meurtre, ils ont envoyé ça à Ulbrich, puis il a été tellement satisfait qu'il a décidé de commander un autre meurtre. Apparemment, il se serait rendu jusqu'à... Mais on y prend goût, hein? Ouais, jusqu'à 6 meurtres commissionnés en moins de 6 mois. Ça commence à ressembler à une game de Donjon Dragon qui a dérapé solidement. Ouais, là. Ouais. Toujours des idéalistes au début. Puis, en plus, en bonhomme d'affaires, il s'est toujours arrangé pour négocier le prix des meurtres à la baisse, donc de 150 000 à 80 000 $. Ah, bon. Et au moins ça de positif. Ouais. Non, mais le coût de la vie, ça coûte de plus en plus cher. Mais le coût de la mort. Tu veux t'acheter des petites piscines avec des glissades. Oui. Toujours via son site Silk Road, il a commandé 5 fausses cartes d'identité, toutes avec la même photo qui était la sienne, qui ont été envoyées dans le même paquet à sa véritable adresse. Et depuis, il a commandé à partir d'un usager du Canada, donc le paquet a été découvert aux douanes. Finalement, ce qu'il a achevé, c'est que le FBI l'a retracé grâce à une adresse courriel qu'il avait donnée dans un chat room qui contenait son nom réel. Donc, bien, la fin de tout ça, je pense que ça nous laisse un peu songeurs parce que ça a quand même été très complexe comme opération, mettre ça sur pied, puis ça prenait vraiment quelqu'un de très intelligent. Mais qu'est-ce qui a fait que ça a déliré à ce point-là avec des erreurs aussi connes? Bien, en fait, il y a certaines personnes qui ont soulevé un point intéressant. Donc, le personnage de Dread Pirate Roberts, ami cinéphile, vous savez ça? Oui, oui, c'est Carl Lewis qui le jouait dans le film. Oui, bien... Ouais. OK, c'est le blond, c'est le bon. Oui. OK. C'est qu'en fait, c'était plusieurs personnes successivement qui occupaient le rôle de Dread Pirate Roberts. Donc, en fait, il y a certaines personnes qui ont peut-être suggéré que ça aurait pu arriver, qu'il y ait peut-être d'autres personnes qui l'aient fait au départ puis qui ont fait la chose auquel on pensait, qui est de partir à un moment donné avec l'argent puis d'aller sur une plage à quelque part, puis que ce gars-là aurait pris la place. Mais ça reste ouvert aux interprétations. OK, voilà. Enfin, on le sait pas. On le sait pas. On le sait pas. Bon, il y a aussi peut-être juste que les criminels finissent par s'enfiler à tête comme tout le monde. Puis... Ça finit tout le temps comme mal. Comme Prince. Ouais, comme Prince. Comme Prince. Prince serait un bon criminel. Mais c'est vrai que ça dérape tout le temps. Il n'arrive pas à... Ben, ceux que ça dérape, on le sait pas. Ceux que ça dérape pas. Ceux que ça dérape pas, on le sait pas. C'est ça, s'il y en a un qui a eu ça... C'est ce qui s'en va avec l'argent. C'est pour dire que le Zodiac. Ouais, le Zodiac, d'ailleurs, qui... Il l'a pas pogné encore. Ben, il pensait de l'avoir pogné. Non, il pensait de l'avoir pogné, puis là, il y a des tests... Non, des il était tests, balance, finalement. Il était pas le bon signe. Non, Ils ont pogné le verso. Ouais. Ben, en tout cas, ben, dans le film, il y a comme une scène que finalement, tu sais... Ouais, mais les tests sanguins marchent pas. Ouais. Les tests sanguins, il y aurait eu un complice, c'était lui. Les tests sanguins, j'avais pas pensé. Ben, parfait, alors on va... un très mauvais criminel. Et un mauvais enquêteur. Ouais, surtout. Mais bon, mais je fais de la bonne animation radio. J'ai tout le temps le rhume. Ben, merci beaucoup, Judith. On va continuer avec Marianne. OK, oui, c'est dans le ton, en plus. C'est dans le ton? Oh, parfait, ça, je savais pas. Que... Ça peut te surprendre, mais... OK, ça va te prendre un jingle, là, parce que ça, c'est clairement pas adapté à toi. Ben, le sien, c'est pas grave, est très discrète, le sien, il n'y a pas de parole. Ouais, c'est vrai? Oui, c'était voulu. Ça a été composé pour toi? Oui, ben au début, ma chronique, je lisais mon journal intime. OK. Fait que je trouvais que, tu sais, il fallait que ça soit comme... fallait ça me mette en compte. C'était musique d'ascenseur, un peu. Oui, ouais, c'était très, très lourd. Oui. T'allais pas bien dans ce temps-là. Non, j'espère que personne n'écoute ça, là. En tout cas. Oui, cette semaine est décédé Monsieur Alexander Sacha Cholgin, que j'avais pas prononcé tout haut avant là, ouais, bah. Qui était cet homme, peut-être Louis T. Louis doit le savoir. Non, je n'ai pas suivi cette nouvelle. C'est le gars qui a inventé LOL. Ah, il est mort cette semaine. Le gars, il n'a pas été sur l'acide pendant des années, genre. Ben, en fait, c'est lui qui a
permis à tout le monde de pouvoir avoir accès à la MDMA, en fait. Okay. Mais lui, ouais, c'est ça. Et, mais ça, c'est comme sa plus grande... c'est pourquoi il est plus connu. C'est pas le dernier album de Madonna, ça? Ouais, non, MDMA, ouais. Mais ça, c'est quelle drogue en passant? C'est-tu le crystal meth? C'est quoi ça, MDMA? C'est de l'ecstasy. C'est de l'ecstasy, OK. Ouais, c'est mais ça. Sans le speed. C'est l'élément actif hein, de l'ecstasy. OK. Mais c'est pas lui qui l'a synthétisé. En fait, lui, il l'a vraiment... Il a repris... Ça a été, en fait, synthétisé en Allemagne. C'était en... Par les nazis. Oui, ça, sûrement, sûrement. Oui. Puis, tout est fait par les nazis en Allemagne. C'est ça. Merci pour les préjugés. Ils faisaient des, raves, les Allemands, les nazis, puis là, ils prenaient de la MDMA. C'est ça. Ben, en fait, c'est en 1900... Mais ils prenaient de la meth, par exemple. Ça, ah oui, les nazis? J'ai lu ça hier, justement. Ah, voilà. De moins les excuse-moi, mais en fait, ils sont restés comme avec juste la formule sans, en fait, développer les propriétés ou quoi que ce soit. Puis lui a repris ça. Puis, ben, comme il a fait avec plein d'autres drogues synthétisées, ben, il les testait sur lui, en fait, à chaque fois. Puis là, il en a synthétisé. Ben, ça dépend de l'article. On dit soit de plus de 200 ou dans l'interview qu'il avait donnée avec le Vice. Plus de 100. Donc, ça, c'est flou. Mais donc, qu'est-ce que... C'est un peu le Steve Jobs de la drogue. Il s'inspire des autres, puis il ira populaire, c'est ça? Non, mais les autres, ils ont synthétisé lui-même. OK, ouais, les autres, ils ont découvert. C'est ça. Mais, tu sais, il est devenu populaire à cause de la MDMA, mais voilà. Donc, qu'est-ce que... Avez-vous vu le film de Steve Jobs avec Ashton Kutcher? Ça n'a pas l'air bien bon, hein? Je l'ai vu, moi, j'ai pas très aimé ça. Ouais. Je trouve ça plate. Ben, il y a déjà un reboot qui est... Un reboot? Mais pas un reboot, mais un autre film biographique sur Steve Jobs, puis il avait approché David Fisher. Ça serait logique, c'est après le film de Facebook. Christian Bale. Mais c'est parce qu'on dirait qu'on connaissait déjà tout sur Steve Jobs comparé à Facebook. Excuse-moi, Kutcher. Non, mais ben, pendant qu'elle cherchait ses notes, ouais, c'est ouais, ça. Oui, merci. Je l'avais vu, là, je voulais l'aider. Excellent. Donc, il a commencé sa carrière à la Dow Chemical Company, où il travaillait sur un insecticide. Puis, en fait, il y a eu un grand succès. Puis là, ils ont comme permis de travailler sur ce qu'ils voulaient, en fait. Puis c'est là qu'il est devenu comme un chimiste psychédélique très spécialisé. Un chimiste psychédélique? C'est un beau titre, ça. Ah, j'aimerais ça être ça. Comment on pourrait être ça? Faut être intelligent, Julie. Première étape. Ah, c'est ça. Bien. Commence là. Puis, il y a le premier... en fait, la première... drogue qui a synthétisé, c'était une amphétamine appelée DOM, en fait. C'est très drôle. D'où le nom de DOM? Oui, c'est pour ça que les parents m'ont appelé comme ça. Ah bon? Qui se rapprochait, en fait, de beaucoup du LSD. En fait, une simple dose pouvait durer un très bon 48 heures et ça a été vite repris. En fait, un autre chimiste, un collègue qui a repris, qui a vu le potentiel de marché de cette drogue-là, qui en a vendu genre des galons aux Hells Angels, puis ça a été vite propagé à travers les États-Unis. Puis, en fait, pendant ce temps, ben là, il y avait la guerre à la drogue. Ben, dans un documentaire, là, je passe vraiment dans un truc. Documentaire... C'est correct, Marianne. On te suit. Oui, c'est ça qui est important. Dirty Pictures. En fait, on le voit, lui, dans son petit laboratoire, parce que c'est ça, il a travaillé pour lui-même, juste connaître, synthétiser, puis les tester, puis après, comment il était commercialisé, c'est pas lui qui s'en occupait, c'est souvent d'autres chimistes, puis tout ça. Puis, en fait, ce qui est arrivé à un moment, ce qui a fait qu'il a dû travailler pour lui-même, c'est qu'il y a eu une descente de police à la chapelle psychédélique. Là, on est en 1900, c'est la fin des années 60. Non, on est en 2014, mais... C'est ça. Mais c'est correct. Ça me fait penser à la scène... La scène dans Jerry, sur Jerry Boulet, quand ils font de l'acide dans une église. Là. Oh, c'est que... Ouais. Ah, ouais, ça, il l'aime, ce bout-là. J'attends celui de David Fincher. le reboot de Jerry. J'ai toujours aimé Jerry Boulet. Oui. Ça s'appelait l'église The Church of Mystifying Elation. Puis ils ont saisi 8 millions de psychédéliques, incluant 1500 doses de DOM et de nombreux matelas. On associe beaucoup les matelas avec les junkies. Puis en fait, là, il y a eu beaucoup de cas à ce moment-là. Puis il y en a une que c'est assez comique. Il y en a un qui en a pris une surdose. Puis là, une surdose de matelas?
Oui, il a trop dormi. Il a trop dormi 12 heures. Il avait des plaies de lit, c'était effrayant. Puis il s'est administré le rituel de seppuku, qui est... À la plaisante. Ouais, ben c'est un rituel de samouraï. Puis il s'est démembré, en fait, avec un... Lol. Un sabre? Oui, un... merci. À la fête des mères. Un couteau à beurre. Ah, oui, avec une cuillère. Tout ça à la mais fête des mères. Comment tu peux démembrer ton dernier membre? Faut que tu le mettes dans ta bouche ou ton couteau? Presse un bras afin de cette grand... opération-là. Comment qu'on fait, Marianne? Il faut être très concentré. Tu squeezes dans le mur, puis tu sautes. Tu sautes, t'as plus de jambes. Comment tu veux sauter? Où tu trouves la motivation après le premier membre? Ben, il avait, ben, comme je l'ai dit, il avait pris beaucoup de DOM, puis ça a dégénéré. Ouais. Beaucoup de DOM, ça dégénère. Oui. Un peu comme Anne-Marie Lozic. Ouais, vas-tu finir demain, là? Non, mon jeu de mots n'était pas excellent. Non. DOM, je la catch pas. Ben, je la comprenais, mais ça l'a dégénéré. J'ai compris. Ah! J'ai compris, puis je l'ai pas vu. C'est bon, c'est un show d'humour, tout le monde fait... Ah! À toutes les 20 secondes. On n'est pas du tout en train de faire humour-amour en ce moment. Non, non, non. Pas un seul là, là. Humour-amour. Donc, à ce point-là, la drogue, en tout cas, il ne savait pas encore, c'est pas identifié, il ne savait pas d'où ça venait. Puis, c'était souvent, il pensait que ça venait de l'armée, puis il appelait ça le caviar des drogues psychédéliques. Puis, là, évidemment, la presse en mettait comme plus qu'il faut. Comme d'habitude. Tu connais ces jeunes loups? Oui, c'est ça, même à l'époque. Puis, finalement, ils ont fini par retracer Alexander à la DAO. Et puis là, ben, la compagnie n'était pas très contente. Fait que c'est dit nulle part qu'il a été mis à la porte, mais il a été gentiment remercié parce qu'après ça, il a travaillé, c'est ça, pour lui-même. Puis, c'est en fait, toutes les synthèses qu'il a fait, ça a fait avancer la démocratie. La médecine La drogue. Psychiatrique, parce que en fait, sa femme est la pionnière, en fait, de la psychothérapie sous influence de MDMA. Il faisait une belle paire. Les deux étaient chimistes. Oui, les chimistes, c'est délire. Puis, ils utilisaient, c'est ça, de la MDMA, puis de 2CB, qui est, selon lui, la meilleure des drogues qu'il a jamais utilisées, le 2CB, sûrement. Dans le deep web, ça, c'est... On peut en trouver? Oui, oui, l'Amazon du deep web. On va mettre le lien sur le Facebook de DCD. <2CB. rire> C'est quoi cette drogue-là? 2CB? Oui, c'est ça. Tu prends ça, c'est pas un nom catchy, hein? Non, c'est ça. Mais j'imagine qu'il y a un street name associé, mais lui, il parle... On va le retrouver un tout de suite, là. Ben, on pourrait trouver un. Le street name pour le 2CB. Puis, je t'ai contré ma fin de semaine. OK, oui. Okay, puis eux, en fait, dans leur thérapie, ils ont fait avancer beaucoup de cas que pendant des années, ils étaient en thérapie juste comme verbal, puis tout ça. Puis soit le LSD ou MDMA, avec l'empathie, puis tout ça, ils ont fait vraiment beaucoup d'avancées. Mais ça, évidemment, c'était tout le temps limite. Ils jouaient, le documentaire le montre bien comment la législation des drogues... c'était tout le temps, il y avait tout le temps un délai parce qu'ils l'inventent, fait que là, c'est pas encore illégal. Puis, en tout cas, mais c'est... Comme le crocodile en ce moment. Ouais. J'ai pensé à la crocodile pendant que tu parlais. Non, mais le crocodile, c'est comme une drogue bien difficile à... il la rendre illégale parce qu'elle est conçue que de matériaux légaux. Ouais, ouais. Mais il n'y a pas un peu d'exagération là-dessus. On parlait des jeunes loups tantôt, là. Quand ils nous parlent du scandale, comme si toute la Russie était rendue avec une peau de crocodile à cause qu'ils ont tous pris une drogue de... Imagine. Toute la Russie avec une peau de crocodile. C'était pas vraiment ça mon point, mais... c'est ça que j'ai retenu. Mais c'est ça, finalement, si ça vous intéresse, ce documentaire est vraiment bien. C'est vraiment un monsieur... c'était, parce qu'il est mort cette semaine. Un gentil grand-papa. Ça, c'est au début. C'est ça, quand si t'écoutais. J'écoute. C'est ça. Son ami qui s'est coupé un membre est devenu le Doc Mayou. Il pratique maintenant la psychiatrie encore. C'est quoi, et on il fait son joke de Doc Mayou en 2014, mesdames, messieurs. Non, on est au début des années 60, elle l'a dit tantôt. je suis même le premier à faire une joke de Doc Mayou. Mais il fait son fromage. Hein. Il a encore ses deux jambes. Il fait son fromage puis il paye pas d'impôts à cause de ça. Ouais. Je voulais qu'on précise ça, le Doc Mayou. De? Il fait son fromage. Ouais. Marianne, il y a une demande, des demande spéciale pour... Non, mais pourrais-tu me faire manger? Non, c'est pas vrai. Pour une prochaine chronique, pourrais-tu nous parler des hippopotames de Pablo Escobar? C'est noté. Yeah. Elle note-tu pour de vrai? Ah oui.
Fait que vos thématiques, c'est genre la criminalité puis les barons de la drogue, là, c'est un peu ça. Non, ouais, ça c'est... Cette semaine, okay. Oui, on dirait. Ouais, vraiment. On a un show. Ben, c'est vrai que... la gravité fait... aussi. Les gens voient peut-être pas, là, si j'ai parce le qu'il n'y a pas là. D'image, mais vous avez l'air des gens qui prennent le moins de drogue dans l'histoire de l'humanité. C'est deux filles qui ont l'air le plus tranquille que j'ai jamais vu. Hop là! C'est correct. Ben oui, c'est l'important, c'est les apparences. Maintenant, comment je viens les attirer ici, je sais pas. Ça sera... leur a promis quelque chose à la fin. Ça se raconte pas à radio, je pense. Ben, merci beaucoup, Marianne. Hey, je suis arrivée, je pense. Oui, tu es arrivée. On va continuer avec Evelyne. T'as senti? Ben oui, ben absolument. Oui, c'est pour ça. Ben, on va commencer d'abord. On la sent tous. Evelyne nous a apporté un cadeau. Je sais pas c'est quoi. Alors, on va déballer ça live. C'est un cadeau qui est un peu en l'honneur de la fête de Benoît Mercier. Oui, c'est sa fête. Qui est aujourd'hui. C'est sa fête. C'est sa fête. Bonne fête, Benoît. Alors, tu nous amènes son cadeau, c'est fin. C'est de notre part. Ouais. De toi Benoît et Benoît. Il fait des cadeaux pour sa fête. Mais est-ce qu'on peut... Il est connu ou... Oui, il est connu à l'interne. À chaque, il est connu. Okay. C'est l'animateur de l'émission. C'est un show à l'interne. Il va déballer le cadeau. Okay. Je pense qu'il y a une belle nouvelle habitude qui s'installe. Là. Alors, c'est sa plaque de la 250e émission. On vous félicite des CDRs pour votre 250e. Yeah. Ouais, c'est vraiment cool. On va s'y rendre tout seul. C'est vraiment cool. On gagnera jamais meilleure réalisation, par exemple. Je crois. Et émission de l'année aussi, 2012-2013. Yes. Félicitations. Ben, merci beaucoup. Yes. On a tout raflé. On a encore gagné d'autres prix. Tableau! C'est ouais, 250e semaine. Moi, je suis mal à l'aise avec ces prix-là. Écoute, ça traîne chez nous depuis. Ouais, mais c'est comme gagner. C'est comme gagner, je sais pas moi. Dom, on a gagné, OK? Vous avez gagné. On a gagné. Vous avez gagné, vous l'avez mérité. Tout on monde l'a mérité. D'accord. Deux. Oui. Oh oui, ouais. Ben 250. Ben, c'est vrai qu'on va s'y rendre, mais on va en avoir deux. Ben c'est ça. C'est ben, ça. Oui. Pas de la même année. À moins qu'on la donne à Benoît rendu là. Ouais. Je sais pas. Ben merci beaucoup. Hey, quel honneur. Comment suivre ça? Ben fais-nous une chronique. Ben oui. Ah, t'as pas mis mon thème, hein? C'est quoi ton thème? La boîte à thème qui t'aime. Tu sais, le thème, là... De 70%? De 70%. Ben, j'ai pas ça sous les mains. C'est pas grave. Fais-moi ça, chantez-moi un thème. Evelyne! Humour. C'est meilleur que l'autre. C'est très, très cool. Ouais. Fait que oui, chronique, j'étais venue une fois ici, il y a 2 ans, puis là, j'avais comme dit une connerie que j'avais... T'étais saoule, je crois. Je pense que j'étais saoule et que j'avais... Oui, j'étais saoule. Oui, je pense et j'avais que oui, en dit... fait. L'émission était plus de bonheur dans ce temps-là, c'était à 10h30, hein? Je sais plus. Qui change tout, hein? Ouais, de moi. On était encore sous. À 10h30, j'étais bien sur la brosse. Non, moi, j'avais pas le temps de déguiser cette fois-là, mais j'avais dit que j'allais faire une chronique sur le nouveau livre apparaître de Varda Étienne, Femme de gangster. Youhou! Ouais, fait que ça m'a pris 2 ans. J'avais un peu oublié ça, mais c'est... Oui. 2 ans pour toujours m'inspirer de mon grand ami Julien et ne pas lire le livre. Okay. Et faire une chronique sur un livre que je n'ai pas lu. Franchement, quelle image tu donnes de moi, Louis. C'est ta chronique de Pouf et Pif, là. Pouf et Pif, c'est... Tu lis pas beaucoup de BD. Moi, je lis pas beaucoup de BD. Tu veux dire, c'est ça? Pouf et Pif. Non, c'est Bob et Bobette, excuse. Ouais, on les confond souvent, hein. Donc, Varda Étienne, juste pour vous faire un petit recap de qui est Varda Étienne, animatrice culturelle et auteure québécoise. Désormais. Bipolaire. Oui. Bipolaire. Très important. Qui semble avoir 3 comptes Facebook. J'ai essayé de la stalker. Ouais, c'était pour chacune long, de ses personnalités. Commencé sa carrière en 96 lorsqu'elle était DJ à Musique Plus, VJ à Musique Plus pour Bouge de là. Elle a co-animé avec Éric Rémy sur le Showbiz Show sur les ondes du 98.5, mais fut remerciée à la fin de la saison. 2005-2006. Auparavant, elle ça, avait c'est co-animé... c'est un homme battu, lui. Oui. Oui, exactement, c'est lui. C'est lui. Pas par Varda. On parle par la même personne. c'est encore drôle. Je vais juste à le préciser. Elle avait aussi animé l'émission du retour à la maison avec Gilles Proulx, ouais. Qu'elle a quitté après que celui-ci ait fait une remarque sur les prothèses mammaires de Marie-Chantal Toupin et le manque ça, de mais... talent de la chanteuse. Ouais, tu me le rappelles, j'avais oublié ça. Ben, ouais, écoute, ouais. Ça sert ouais, à ça. Ça avait mal terminé. Elle a quitté la radio à cause de ça. Parce que l'autre, il a dit ça ou elle s'est faite renvoyer? Je comprends pas. Non, elle a quitté. Ah, OK, OK. Non, mais elle n'était pas à l'aise avec les propos de... Elle n'était pas à l'aise avec... Exactement. Elle est bipolaire.
Puis bipolaire. Ah, non, mais on se permet, juste pour souligner, on se permet de dire ça parce qu'elle a sorti un livre là-dessus. Hein. On est oui, pas oui, en train oui, absolument. Qui s'appelle Maudite ouais, folle. Exactement. Ouais. Alors, en travaillant en 2006 sur un projet de télésérie avec Fabienne Larouche, oh, dont on n'a jamais entendu parler, s'il vous plaît, la page Wikipédia de Varda est un petit peu. En plus, c'est elle qui l'a faite. Mais qui au Québec n'a pas écrit sa page Wikipédia? Sincèrement. Oui. Elle collabore aussi. À part Louis T. Louis T, qui a écrit ta page Wikipédia? C'est une journaliste. Ah, c'est cool. Okay, ouais. On la salue. On la salue. Oui. Oui, donc elle avait aussi animé avec Eric Salvaille, etc., etc. Elle fut impliquée dans une controverse suite à un sketch dénigrant les Français. Jadis, avec Eric Salvaille à TVA. Un sketch qui faisait allusion à leur hygiène et à leur propreté. Ah, c'est surprenant, ça. L'affaire fit grand bruit et fut reprise par la presse anglophone tant que francophone et suite à une mobilisation de la communauté française expatriée et de nombreuses plaintes au CRTC, TVA, Éric Salvaille et Varda se sont excusés. Benoît Brière, dans Petite Vie, ça passe. Ouais, ouais, ouais. Donc... et le français, là. C'est ça. Donc là, juste dans le fond... T'sais, pour vous mettre un petit peu dedans, là, pour le livre « Femme de gangster » qui oui. est sorti... Il reste 4 minutes. Oui, c'est ça, je sais. Ah, c'est ça. Je passe toujours en dernier. Il ne faut plus que je passe en dernier. Ben, je suis désolé. Tu peux pas faire plus que 4 minutes. Là. C'est terminé. Non, c'est fini. Terminé, pourquoi? C'est terminé. C'est auto-DJ après. Fais pas semblant qu'il y a du okay. monde qui attend pour remplacer. Ça va prendre plus que 4 minutes. Juste vous dire qu'on a manqué un grand événement en 2011. Et si je m'étais pris à temps dans ce temps-là, peut-être qu'on aurait pu y aller. C'était au Rachel, le lancement. Sur l'événement, la page de l'événement Facebook pour le lancement, on peut lire un petit bout du synopsis qui est en arrière du livre aussi. Donc, le livre parle de trois femmes de gangsters. Elles sont trois. Frédéric, la top modèle montréalaise à la dérive. Yeah. Antonia, l'Italienne mm-hmm. attachée à ses traditions siciliennes. Hey. Et Marjorie, l'Haïtienne impulsive et ambitieuse. Bon, rien ne les rassemble, ou presque, car toutes sont trois femmes de gangsters. Hey, ça... Alors, les Haïtiens, le parrain de la mafia évidemment. Et le dos de des motards vont tous se faire incarcérer en même temps et les femmes se retrouvent à la tête d'un empire de le crime. Ça me rappelle pas pire. Ouais, elle est vraiment c'est cool. Sur la page c'est de l'événement Facebook, les gens commentent sur la présence et l'événement et puis Sylvain Rémillard qui dit... Trois jours avant l'événement, je serai au Centre Bell pour le show de Roche. Dommage, j'aurais aimé ça être là. Ah, bon. De Roche. Ouais, donc Roche, le groupe ontarien, là. Oui, oui, oui. Progressif. Groupe canadien, je pense qu'il y a du plus d'albums. Selon le compte-rendu du compte-rendeur Patrick Pigeon, Roche est comme un bon vin. Jeunes, ils étaient bons, mais avec l'âge, ils sont encore meilleurs. Donc, c'est un grand cru canadien. Les gens commandent plus Roche. Roche a éclipsé Femme de gangster. Roche a éclipsé Femme de gangster. Et aussi Angelo Cadet, l'ami de Varda, qui ils se ressemblent physiquement. Ouais, qui dit j'y vais passer des mains parce que moi j'aime beaucoup Tom Literetti. Que tu écris sans faire des fautes en plus. Bon. Et GTM hostie Varda. Love ou Beck Beck Z Beck Angel O. T'es sûr que c'était pas Dave Richer? Jacques Demers. Ensuite, ben écoute, il me reste genre une minute. Fait que je peux vous dire sinon qu'on apprend beaucoup de choses. Oui. OK, de plein de cultures. On apprend que les Haïtiens espèrent qu'ils expireront au soleil, les Québécois en Floride, les Siciliens pendant la sieste, même s'ils ont passé une bonne partie de leur existence à tuer leur prochain à Montréal-Nord. Mais tu l'as pas lu? Ben là, je n'ai lu des bouts. OK. j'ai lu les affaires. T'as lu la page Wikipédia de Facebook du lancement? Je l'ai pas lu au complet. La couverture est dure, puis ça a l'air d'un livre genre qui date de 100 ans à peu près. Pensais, non, mais ça, c'est la bibliothèque qui fait ça. Là, ouais, ouais. Ça doit être comme le roman de la Rassemblée. Il y en a 8 copies qui sont tout le temps disponibles. Mais là, ça fait 2 ans que tu dois le ramener à la bibliothèque, là. Ben, je l'ai emprunté il y a 2 ans, je l'ai ramené en retard. Après ça, ma carte a expiré, je suis retournée chercher. Là, tu prives quelqu'un la dernière personne à l'avoir aussi eu. Tu prives quelqu'un de ce livre-là. Non, il y en a 3 exemplaires, 2 hardcover puis une couverture souple. Ah. Mais toute la même couverture là, qui est un fusil avec l'embout, c'est des jambes de femme. Puis sur Internet, on peut voir Varda qui tient son livre comme ça. Oh non. Ah oui. Ah, oh, comme un peu, ouais. Comme un peu, sur la tente. Explique parce qu'on voit pas. Ta radio, les gens voient pas. Google. Google, femme de gangster, vous allez voir, c'est une couverture rouge, un gars avec des jambes de femme.
Ben, merci beaucoup. Mais écoute, temps, hein. reviens dans deux semaines. Oui, ben, je prends les demandes spéciales aussi. Non, mais t'as comme pas. C'était juste la prémisse de ta chronique, ça. On peut faire la dramatique dans deux semaines. Dans deux semaines, t'es officiellement invité. Reviens. Ou la critique du premier tome de Harry Potter, peut-être. Du lancement. C'est trop bon. On n'a même pas lu d'extrait. Toutes les gargouilles. Toutes les gargouilles. Oui, voilà. Le roman de Marat Tremblay. J'en reviens. Parfait. Ben, écoute, merci beaucoup. Merci, Evelyne. Merci, le Destroyer. Merci. Mais là, tu continues, ça fait 3 secondes, c'est passé. Oui, mais ça finit comme à 30 secondes, en réalité. Merci à Louis T. d'être prêté à l'expérience des CDR. Merci, Jean-François.